Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop là, excusez-moi, je coupe juste la musique de mon côté. Bon, bah on est parti, c'est donc le premier live depuis le lancement de la chaîne Twitch. Aujourd'hui, on va donc avoir une petite lecture de scénar. C'est un scénar que vous n'avez jamais lu ou vu. Il s'agit du scénar de La Clé du Crépuscule. Donc on va lire les épisodes 12 à 18, hein. On va pas lire les 11 premiers, parce que les 11 premiers, si vous voulez le scénar, il y a les 11 premiers épisodes sont disponibles sur YouTube. Nous avons donc le type bizarre qui a recruté Alec, Megan et Edwin. Il a donc besoin d'eux pour récupérer un objet. Un objet qui, s'il venait à être entre les mains de ses adversaires, pourrait mettre tout le monde en danger. En tout cas, c'est ce qu'il dit. On va découvrir par la suite justement les trois fameuses personnes qui sont contre le type bizarre. Il s'agit donc de Mackenzie, William et Dahlia. Mackenzie qui est l'ex de Clément. C'est Clément dans Les Clés de la Vie, hein, c'est les mêmes personnages, mais c'est juste qu'il n'avait pas de prénom dans La Clé du Crépuscule. Donc c'est l'ex du type bizarre. Vient la mort du type bizarre. Et Alec, Megan et Edwin retrouvent sur le type bizarre une carte mémoire contenant une vidéo du groupe qui se fait donc appeler les Protecteurs. Et les Protecteurs qui disent qu'ils ont tué le type bizarre. Alors j'ai plus les motivations exactes qui ont été données, en tout cas on voit que c'est très clairement un montage mal foutu. Et puis derrière, les Protecteurs vont recevoir une vidéo des aventuriers, c'est comme ça qu'on les a appelés, donc avec Megan et Edwin, disons qu'ils vont se venger, parce que voilà, vous avez tué notre leader, et on va vous rendre l'appareil. Et il me semble que le dernier épisode diffusé, donc l'épisode 11, c'est le moment où Edwin découvre que son entraînement a fait effet puisqu'il sait se battre. Enfin, qu'il se batte. En tout cas, il a réussi à mettre quelqu'un à terre. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, la personne à qui il met le coup de poing, j'avais annoncé derrière, alors je ne l'ai jamais dit en public, mais j'avais annoncé derrière que cet homme à qui il assène un coup dans le ventre, eh bien c'était Manu. Enfin, étant donné que je jouais Manu et que c'est moi qui avais joué ce passant, et que j'ai pris un petit peu la même voix que Manu, et je me suis dit, tiens, ça peut être drôle que ce soit Manu qui soit fait bolos de cette manière. Ça colle très bien avec Manu. C'est bien parce que, du coup, je vais pas me voir, c'est pas grave si je me vois pas dans l'écran. Hein, voilà. Dans le pire des cas, je tourne la tête parce que j'ai allumé la PS5 pour avoir le retour, parce qu'en fait, normalement, je mets le retour sur mon téléphone, mais mon téléphone est décédé ce matin. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu l'état du téléphone. Voilà, c'est l'écran, hein. Oui, alors, je vais vous dire très franchement ce qui s'est passé. J'ai appris une très mauvaise nouvelle ce matin et j'ai fracassé mon téléphone par terre. Il était déjà très mal en point, mais voilà. Il y a un truc qui m'a mis hors de moi et le téléphone a pris. Bon, on peut y aller maintenant? Non, on reste là. Bon, de toute façon, j'ai ramené mes fiches pour le plan. Pourquoi? T'as peur de te perdre? Mais en fait, c'est toi qui me fatigue. Prendre l'air avec toi, c'est comme se gratter un bouton de moustique. Tu penses que ça va faire du bien? Mais en fait, c'est pire. On entend des couinements depuis un petit moment. C'est quoi ce bruit? Edwin, arrête de bouger comme ça. Mais j'ai envie de faire pipi! On est repérable à des kilomètres, là. La lumière s'allume, les trois réagissent. Ça, je confirme. Mackenzie, William et Dahlia sont prêts à en découdre. Une tache apparaît à l'entrejambe d'Edwin qui commence à pleurer. Oui, on a réussi à faire un plan comme ça où Edwin se pisse dessus. Voilà, on a utilisé un système de siphon. En fait, on avait un bac d'eau, un tuyau, et vraiment le tuyau, juste on l'a mis dans le pantalon d'Alexis. Et en fait, on a fait comme
Comme pour siphonner un réservoir, c'est terrible de savoir comment siphonner un réservoir, je vous rassure, j'ai jamais fait. Mais ouais, du coup, avec un système de siphon, donc on avait un bac d'eau, on avait le tuyau avec, et puis du coup, forcément, bah, on a siphonné, on a réussi à le faire, je crois que ça nous a pris un quart d'heure à réussir à faire passer l'eau. Parce qu'en fait, le truc, c'est il fallait pas qu'il y ait un débit trop trop fort, il fallait vraiment que ça ressemble à quelqu'un qui se pisse dessus, quoi. Il fallait vraiment que ça ressemble à ça. Mais on a réussi, je me souviens que j'avais kiffé le plan. Et oh, pardon. Il meurt en live et ça ne fait pas le buzz. Bah écoutez, on va faire une petite pause. Hop, je prépare juste le prochain épisode, donc 16, 17, 18, juste après la petite pause. Alors juste, merde. Alors excusez-moi, je voulais pas vous montrer. Tout va bien, tout va bien. Bon, c'est pas grave. Bah du coup, ouais, on va faire la pause maintenant, et puis on se retrouve dans 10 minutes, peut-être un petit peu plus, je vais mettre le compte à rebours. Je reviens, je coupe le son ici, évidemment, voilà, on se dit à très bientôt. Je suis de retour. Je suis désolé, Cassie. Je suis parti au mauvais moment. Deux secondes. Tic. C'est bon. Hop là. Alors, est-ce qu'il est beau, mon écran de pause, là, mon écran d'attente? Est-ce qu'il est pas beau? Bien, bien, bien. Du coup, on va reprendre tranquillement. Je vous avoue que ces 10 minutes m'ont paru long. Oh, il y a un chat qui apparaît ici. Là. La vache est faux. Sans miroir. Là. La galère, j'arrive pas à montrer. Avec ce... Là, voilà. Je caresse le chat. Super. Très bien, Eric. Tout va bien, je me soigne, hein. Ne vous en faites pas. Alors là, normalement, il y a le générique, et ça, c'est la scène post-générique. On voit des mecs en blouse blanche entraîner le type bizarre. Il est complètement déchaîné. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. D'autres vont prendre mon relais. Et d'autres encore si vos copains décident de se mettre en travers de leur route. Cette websérie n'est que le commencement d'une fatalité. Ce monde est condamné. Ce monde est condamné. La dernière... La scène post-générique, je l'aime beaucoup. On l'avait tournée... Ah oui, il faut que je vous raconte l'anecdote sur cette scène post-générique. Parce que c'est quand même formidable. Donc on a tourné ça chez Alexis. Et il avait... En fait, on a profité d'un moment où, en fait, ils ont des... Je crois que c'est des brebis. En tout cas, ils avaient des brebis chez eux. Je sais pas s'il y en a encore, mais... Ils avaient des brebis et de temps en temps... alors, je sais plus si c'était pour la tonte ou... Enfin, bref, toujours est-il qu'ils emmènent un camion. Ils emmènent un camion pour... Je sais plus quel type de camion c'était. Mais en tout cas, voilà, ils amènent un camion et vraiment, on s'est dit... Enfin, il a dit, ça peut vachement faire... camion, enfin ambulance pour la visite psychiatrique. Et effectivement, du coup, on a tourné dans ce camion-là, un truc qui est fait de base pour les animaux. On a tourné dedans. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une chemise blanche, on l'a mise à l'envers, et voilà, j'étais vraiment camisolé, quoi. C'était... ça rendait super bien. J'étais très content de ce que ça donnait. Donc, ouais, bon, c'est... Ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est dommage que ça ne soit pas allé plus loin. On va pas durer plus longtemps. Peut-être parler un petit peu de ce qu'il y aura par la suite. En termes de live, alors je pourrais pas vous dire quand sera le prochain live sûr, mais il y en aura un, je pense, je crois que c'est le 4 juin, je vais regarder, il me semble que c'est le 4 juin, donc c'est le week-end, ouais c'est ça, le 4 juin, c'est le week-end du 48 heures très court, je ferai un live où je serai en train de faire le montage, donc ce sera genre peut-être 2 heures, on verra bien. Mais oui, je pense que je vais le faire et puis j'aimerais bien faire un live avant. Je sais pas sur quoi ça pourrait être. Est-ce que j'ai d'autres trucs à faire lire peut-être? Est-ce que j'ai des choses à vous montrer? Honnêtement, il y a tout un tas de trucs à faire, je pense. Mais voilà, on verra ça tranquillement. Je vais vous laisser. On se dit donc à très bientôt. J'espère la semaine prochaine peut-être. Je croise les doigts pour pouvoir le faire la semaine prochaine, faire un petit live. Donc peut-être pas le mercredi, peut-être plus le jeudi ou le vendredi. Je verrai comment les choses se font. Donc. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Subscribe, motherfucker.